Initiating system 1. System 1 loaded. Hey ho yo, c'est Gunshow et aujourd'hui je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures. Suite à cette... Ok, tu m'as trouvé un truc toi. Suite à ce bâtiment, ok. Comment tu veux que je passe à travers? Hein? Comment? Bah, je peux passer à côté. Oh, par contre, j'ai pas vu ça. Voilà. Moi, ça, j'en fais ton truc là. Non mais avec ce jeu de défense, c'est une force. Il a senti mes balles, lui. Toujours utiliser ses balles. Le mec, c'est lâche pas comme une balle. Le mec, il mitraille tout ce qu'il veut. De l'alcool. Ok. Ah! Grenade, non, grenade impulsion. J'ai pas de grenade frag. Ah si, non, ça c'est une mine. Faut mettre une mine, hein. Je peux lancer un cocktail Molotov dans ta tronche. Et ça, tu connais? Ça, tu vois, c'est un Coltef Molotov. Et ça, c'est des balles de 10 mm. Voilà, mange. Voilà. Avec ça, t'es servi. Merci pour tes trucs. Non, je suis trop lourd. Shit. Avec ma grosse armure, des fois j'arrive pas à passer. Peut-être des choses qui veulent rien, donc je crois que je vais les jeter. Ouais, je crois que je vais les jeter parce que franchement c'est chiant. J'en masse tout le temps les trucs, mais qui ne sont pas utiles. Donc le but de cette vidéo normalement c'est pour faire ça, avancer dans mon jeu. Mais voir aussi le paladin, comme j'ai essayé de faire dans l'autre épisode, mais par X raison que je suis quelqu'un qui veut regarder partout, j'ai un peu voilà dérapé et je suis allé un peu partout. Donc là j'essaie de. Eh hey, toi c'est pas le monde yellow. Ototo. Là, ça c'est fait. Ok, ça c'est pour. Je crois que c'est pour le désactiver. Ah ouais. Ok. Bon. C'est une idée. Alors, on va transférer là tout ce que. Toutes les trucs qui volent pas des masses. Bon, 6, on va mettre là. Qu'est-ce qui est moins de 6, je l'ai mis là en fait. Pas tout. Ouais. Bon, j'ai avec ça normalement. Même pas assez. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre?
est-ce que j'ai une... Non, soin. Est-ce que... Ouais, on mange des chips, si on... Le mec, il prend de la rade, allez, il prend de la rade, allez. J'ai développé une... Perso, j'ai pas envie, bon... Je n'ai pas vraiment des masses, cette poisson rafraîchissante, mais... C'est pas grave. On va prendre ça, hein. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce machin. Je pense pas. Et la mine. Fuck you. Ouh. Ah merde, non, je portais tout trop lourd sur moi. Putain, mais ils ont mis partout, c'est con. Vous l'avez vu, hein? Moi, je l'ai vu. Heureusement que ça pète pas quand Kanigou passe, hein. Sinon, on serait vraiment dans la merde. On serait vraiment dans la merde. Scanner, je me dis qu'il y a un truc qui brille là-bas. Ah, je crois que je suis déjà passé par là. Putain, mais... Terminé. Ok. Écoutez, je n'ai pas vraiment envie de discuter là tout de suite. Ok. Oh, j'ai tué juste son frère jumeau. Mince. Je suis vraiment désolé. Hop, on va sortir de ça. Sortir ce machin. Plus de scotch, je pense. un coffre. C'est bon. Ça et j'ai ça. Ah, c'est stylé comme ça. Bon, bon, j'ai pas beaucoup de munitions. Hein. On va faire mollo hein, dessus. Hein. Je peux pas repérer, tiens. Ah, si je peux repérer quand même. Est-ce que t'as besoin de réparation, toi? Ouais, tu peux, je peux te réparer, ouais. Voilà. J'ai réparé mon armure, hop. Et c'est reparti. Je sais pas où. Donner alors pour aller. Non, c'est la carte. Ok. Donc, merde. Ah, c'est là-bas. Ok. Faites-le. Ta mère en Claude Courte. Tiens, cadeau! J'arrive, j'arrive.
les trucs toi. Ouais, bonsaï. Et il a trouvé moyen de récolter des fruits mutants. C'est quoi ce bâtiment là? Ah, green génétique. Ok, bon ça je vais réussir. Enfin je pense que je vais visiterai plus tard. Enfin si j'y arrive à rentrer dedans bien sûr. Bref, on va voir ça plus tard. Bon allons voir directos notre personne qui est là je crois. Ou pas non non non. Non ça c'est chez des pillards ça. Ouais, viens moi. Ah il recharge. Tout tu touche mon chien. T'as fait mal mon arme. Je suis content. I'm happy. Ah pétard, en plus je sais même pas si j'ai vidé le monde tout. Je suis lourd comme mort. Ah ouais. Même en prenant ça. Sérieux?
et que c'est sérieux comme ça. Are you serious, G? Ok, en plus, je parie que c'est un complexe. Bon. On va faire une petite sauvegarde. Hein. Bon, ben on est reparti. Hein. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais bien faire? Ok, bon. Je vais rentrer quand même dans le machin. Hein. Après, vous allez dire, ah putain, mais il y va pas, Paladin? Bah non. Ok. Au revoir. Ah non, il y a rien. Eh putain, pourquoi je suis à 17 FPS hein? Quand tu pointeras. Quand je me pointerai, tu seras mort. Deux. Féminin quand même. Ok, et là il y a que dalle. Ok, ça c'est pour sortir. Sors de là, ce sera rapide. Ouais, ce sera rapide. Que je trouve un truc pour des tout ça. Alors, coucou. Voilà. Je te l'ai bien dit, le cadre. Ouais. Attendez là. Putain, mais. Allez. Ah, c'est bon, non. J'ai fait le petit vide. Ben en fait, compte. Tu vas prendre tout ça, hein. Ok. Bon, déjà, tu m'en as enlevé une grosse partie. Merci, Canigo. T'auras droit à une jolie pâtée. En fait, y'a que dalle. C'est que dalle. Bon, et on se barre, hein. Ah, finalement, je crois que je vais aller directement au capitaine, en fait. What? Putain, tu m'as surpris comme ça, toi. Ok. Mais... je vois un truc là qui brille, là, qui a une lumière là. Bon, allez, on se barre, sinon après je vais. Alors, la carte, on va voir le. Ok, il faut que j'aille tout droit. C'est parti alors. J'ai un doute. You can you. Ah, t'es là. Ah, mais du temps. You. Hey. Allez là-bas. Ou je sais pas où. Bon, j'ai eu dit que du campus, ouais.
par ici. Je peux voir un truc exploser vers là. Ok, poste de la fraternité. Ok. Oh my god. Qu'est-ce qui s'est passé là? Merde, pourquoi je ramasse tout ça? Je suis trop con. Apprenez tout ce qui pourrait être utile. Venez ici. Allez voir ça. Le mec, c'est... Il embrasse tout, Je roule sur tout, ouais. Ouais. Non, si je me rappelle Rolls... Roll... Ou je pense comme ça, enfin, le mec qui ramasse tout, quoi. Ouais. Et je me retrouve aussi lourd qu'une pierre. Mais je crois qu'il est vers là. Eh, je sais combien là. Ok. Oula putain. Est-ce que j'ai. Pas un point. Non, j'ai aucun point. Pas encore. Je suis tout lourd. Ok, un cadavre. D'où tu touches mon canigou, toi? Crap, saleté de fangeux. Saleté. Oh, le fat ne fait plus effet. Je suis très lourd. C'est là où il y a le drapeau qui flotte. Il flotte haut. Oh oh oh. Mec, il marche une vitesse. Je me rappelle un moment dont je sais pas, c'était en. Je crois que c'était en Fallout 3. En gros, quand on était. Enfin, quand on était trop en surpoids, en fait, on pouvait pas avancer. C'était chelou. Bon, un peu compréhensible. Et en plus à l'intérieur, il y a que dalle pour me vider, enfin du moins tout désosser et récupérer les trucs. Ok. Voilà, ça j'ai bien compris ça. Allez, on y va, on y est presque. Au pire, je vais stocker dans le commissariat et je reviendrai. Paladin Dance, contente de vous voir sain et sauf. Vous avez une bonne nouvelle pour nous? Mission accomplie. Nous avons l'émetteur. La chance nous sourit enfin. Beau travail, Paladin. Je n'étais pas tout seul. Hélène? Paladin Dance. Ah, vous voilà. Hélène? Rhys? Je souhaitais la bienvenue à la nouvelle recrue de l'unité de reconnaissance. Il a déjà fait ses preuves sur le terrain. S'il suit bien nos enseignements, je suis sûr qu'il sera promis un bel avenir parmi nous. Merci. Je promets de ne pas... Bon, je suis pas fort. Vous n'avez plus rien à prouver. La mission Dark Jet suffit amplement. Vous avez décidé de rester, finalement? Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. Ça ne vous plaît pas que je me joigne à vous? Pas trop, non. On a déjà assez de soucis avec les mutants et les ghouls. J'ai pas besoin de quelqu'un en plus à surveiller. Il est pas gentil. Ça suffit. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble.
que ça vous plaise ou non. Et vous, vous allez devoir comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Ok. Nous ne sommes pas une bande de soldats du dimanche qui jouent à la guerre. Nous sommes une armée disciplinée, soumise à un code moral des plus stricts. Si vous voulez rester parmi nous, vous devrez suivre nos préceptes à la lettre. Ne vous en faites pas, j'ai servi dans l'armée. Parfait. Dans ce cas, je vais vous épargner les longs discours. Ce que j'attends de mes subordonnés tient en deux mots. Respect et honnêteté. Oula. Vous rentrez dans le rang, et vous y restez. Je vous donne un ordre, vous le suivez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Avant de vous confier à Hélène et Rhys pour vos ordres de mission, il me reste encore une chose à régler. À partir de cet instant, vous avez le grade de conscrit. Ouais. Un grade réservé aux aspirants. Je ne suis pas autorisé à promouvoir qui que ce soit au-delà de celui-ci. Vous ne pouvez pas me promouvoir au-delà du grade de conscrit ? Non. Seul un aîné est autorisé à le faire. Ok. Dès que nous aurons installé l'émetteur, j'appellerai le commandement et je leur en toucherai deux mots. Ok. Conscrit, je pensais mériter mieux que ça. Ne vous méprenez pas, ça ne reflète aucunement. Ad victoriam, conscrit. Il sait même pas ce que ça veut dire, Hélène. Ad victoriam, ça veut dire vers la victoire. Okay. Nous nous battons pour l'avenir de l'humanité. Le mot défaite ne fait même pas partie de notre vocabulaire. Notre cri de ralliement est plus fort que toutes les armes du Commonwealth. N'oubliez jamais ça. Maintenant, présentez-vous à Hélène ou à Rhys pour recevoir vos ordres de mission. Ok. Vous pouvez disposer. Chouette. Bon, est-ce qu'il y a un conteneur où je peux poser tout ça? Parce que là, franchement... Ah bah tiens, dans ça. Du moins, je vais déposer ce que je peux plus porter. On va dire tous les habits, quoi. Ça c'est bon. Ah putain, mais... Ouais, c'est bon. Alors déjà, je me suis posé avec ça, déjà. Salut. Bon, salut. Allez, crachez le morceau. À quoi vous jouez? J'espère que je ne vous ai pas encore offensé. Vous m'offensez? Ça risque pas. J'essaie juste de vous cerner. Vous n'êtes pas un soldat, plus un loup solitaire. Alors je me demande pourquoi vous êtes toujours là. Quel intérêt de rester alors que vous avez eu ce que vous vouliez? La confrérie est peut-être ma meilleure chance de retrouver mon fils. Pour le coup, je reconnais que c'est une bonne raison. Écoutez, je vais y aller mollo avec vous parce que Dance vous fait confiance. Mais si vous faites le moindre écart et que vous mettez mes frères et mes sœurs en danger, croyez-moi, vous le regretterez. Alors, cette mission, on peut l'envisager, oui ou non? C'est quoi votre problème? Mon problème, c'est que je n'arrive pas à vous cerner. Vous sortez de nulle part, vous descendez quelques goules sauvages, et d'un coup, le paladin Dance et vous êtes les meilleurs amis du monde. Je ne sais pas si vous prenez votre boulot pour la confrérie au sérieux, ou si vous jouez simplement la comédie en attendant de trouver ce que vous cherchez. Quoi qu'il en soit, comptez sur moi pour vous avoir à l'œil. Et maintenant, vous allez pouvoir y aller, oui ou non? Oui. Oui. Bon, écoutez bien. Que ça nous plaise ou non,
L'une de nos missions principales consiste à exterminer les saletés qui infestent le Commonwealth. Je parle des mutants, des ghouls, des synthétiques. Toutes ces abominations créées par ces scientifiques à la manque et leurs petits joujoux. Cette mission est on ne peut plus simple. Je vous désigne une cible et vous éliminez tout ce qui rôde là-bas. Tous les détails dont vous avez besoin sont ici. Ne revenez pas tant que le boulot n'aura pas été fait. Ok. Excusez-moi. Si vous tenez à m'impressionner, accomplissez la mission que je vous ai confiée. En attendant, on n'a rien à se dire. Ok, d'accord. T'es vraiment gentil, hein. J'essaye vraiment de m'intégrer, mais là... c'est un enfoiré. Machin, le col miracle. T'as la colle miracle. Quelque chose vous fracasse. Non, ça va. Malgré que vos soldats sont un peu pas très gentils avec moi. On va prendre ça en whisky sous la crevette. Non, c'est vrai, là je peux un peu marcher plus vite. Rhys continue de vous snober. Pourquoi est-ce qu'il me déteste? Il ne vous déteste pas. Rhys ne vit que pour la confrérie, elle est sa famille. Mm-hmm. Toute sa vie même. Rien d'autre ne compte pour lui. Et si quelque chose le gêne, il le pousse hors de son chemin. Sans ménagement, comme vous avez pu le voir. Ok. Non, je peux pas poser ça. Je vais me faire refouler sous l'autre verre. Ça ne me pose aucun problème. À votre ton, j'en suis pas si sûr. Laissez juste un peu de temps à Rhys. Il finira par changer. Alors, vous vous sentez d'attaque pour votre première mission? Qu'est-ce que les scribes font pour la confrérie, au juste? On fait tout le nécessaire pour permettre aux pilotes et aux soldats de mener leurs opérations. Recherche scientifique, réparation, planification tactique, et j'en passe. En bref, tout l'aspect technique. Okay. Moi, je suis scribe de terrain, ce qui veut dire que j'opère au sol avec les soldats. Et ça ne me déplaît pas de me battre, de temps en temps. Enfin bref, je vais pas vous ennuyer avec tous ces détails. C'est bon pour votre prochaine mission? Mm-hmm. Oui. Excellent. Je vais vous expliquer de quoi j'ai besoin. L'une des principales tâches de la confrérie consiste à récupérer et à préserver la technologie perdue lorsque les bombes sont tombées. J'ai une liste de lieux où ont été aperçus des artefacts qu'il faudrait que vous récupériez, pour que nos scribes puissent... Tenez. Voilà qui devrait vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin pour trouver le premier. Bonne chance, et faites attention. Ok. Bon, j'aimerais le passer. Bon, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo en ma compagnie sur Fallout 4 pour faire ces missions-là. Donc je dis bye bye, c'est Gunshow.